Oui Daniel, j'ai pris le micro à l'envers. Les bottes 113-51 à vous tous. Voilà, de la part de Rémi, 14ODR002, Dandy 33. Oh Daniel, je sais pas si tu m'entends. Si moi je t'entends, toi tu dois m'entendre aussi. Un chi trois coups. Ok Daniel, voilà, je suis entre Saint-Pédarmand et les Bigarous. Tu sais que tu passes vachement loin puisque pratiquement à côté de chez moi, j'arrive déjà à commencer à t'entendre. Il m'entend pas, quoi. Il a le chic, Daniel, pour se foutre dans des endroits où il capte que dalle, quoi. Ah, chic. Bon, Daniel, t'arrives pas à m'entendre? Putain, mais c'est pas vrai, ça. Il va falloir que je joue au pouce-pouce. Quoique, j'ai une idée en tête, mais pas pour de suite. Oui, attention, Rémi, Dandy 33, Daniel Santor appelle. Rémi, Dandy 33, Daniel Santor. Oui Daniel, je suis là, je suis là, j'arrive au rond-point de Saint-Émilion, les Bigarous. Oh putain, mais vous allez faire le restaurant chez la puce. Affirmatif. Oui, parce que là, moi, au niveau du QRA, je suis sur Sainte-Colombe, donc à 5 km de Castillon. Ah mais je connais bien, tu vois, j'ai assez magique chez la puce, c'est de l'amour, ça fait, c'est de l'amour. Attends, voilà, avec les ronds-points et tout, ça, là, c'était un petit peu hard. Parce qu'en plus, il y a pas mal de monde sur la route. Ah, mais tu vas être pas loin de chez Jean-Paul. Jean-Paul, il est pas loin, là, de chez toi. En fait, de Saint-Émilion, il est pas loin. Ah, ben, c'est, je sais pas trop, quelque part dans les environs, là. Ouais, je sais que c'est dans le quartier, hein. C'est, ouais, quelque part par là, oui. Jean-Paul, je crois qu'il est du côté de Castillon. Oh, il est gentil ce garçon, c'est moi, je l'adore, je l'adore. Ok. Ah, mais tu sais, moi, j'ai connu mon copain, quand je faisais la route, quand je partais dans le coin, le premier truc que je faisais, c'était de l'appeler. Hop là, j'entends quelqu'un derrière. Ah, j'ai entendu, je vais vomir. Bon, ben, à ta santé. Ah ouais, mais tout ça, c'est des bons copains. Les mêmes copains que tu connais, mais c'était mes copains des années quand je dis quand je roulais. Et puis, des bons copains comme ça, mais on les oublie pas. Ok. Bon, Daniel, alors, est-ce que tu commences à m'entendre là, ce coup-ci, là, quand même? Ah bah au contraire, hein, reste dans le QSO, bien au contraire. Ah non, non, hey, tu as pas t'échappé comme ça, hein, faut pas croire. Eh hey, Beltoise, tu vas pas t'échapper comme ça, hein, tu restes avec nous. Hein. Ah ben moi je reste avec vous, j'ai pas de problème, moi de toute façon. J'ai rien à perdre, j'ai rien à gagner, au contraire, je suis là pour satisfaire mon désir. Voilà, c'est déjà ça, ben, comme nous, pareil. Hein. Rémi, demande à Rémi, quelle position il
arrêter là. Oui, Rémi, il y a ton ami là, il te demande où c'est que tu es, où c'est que tu te trouves. Eh bien là, je suis à mi-chemin entre les Bigarous et Libourne. Ah, il va bientôt rentrer dans Libourne, c'est-à-dire il est entre les Bigarous et Libourne. Mais je ne sais pas s'il est du côté de Libourne sans pote ou du côté où il y a le pont de Brann là-bas. Aïe. Je suis sur la nationale entre les Bigarous et Libourne. Ah oui, là on traverse presque des bonnes parties du département là. Attention Daniel, attention Centaure 14ODR 064 hein, pour 14ODR 002 Dandy 33 Rémi qui t'appelle en mobile depuis la rocade de Libourne. Attention Daniel. Et tu sais qu'à Leclerc, il y a des promotions de coton-tige en ce moment. Ok, t'es coincé dans les bois de Martignas, c'est ça, donc évidemment, ça passe pas. Par contre, le plus étonnant, si tu m'entends, c'est que toi, t'arrives à passer, quoi. Là, je t'entendais, il est pratiquement à côté de chez moi. Bon, ben, je vais attendre que tu te remanifestes un peu à nouveau. Oh là, t'as mis le Roger Beat numéro 5, Hachi. Ouais Daniel, je suis là. Comment ça, tu m'entends toujours pas? Bah ouais, mais pourtant tu me réponds, Hachi, trois coups, t'as un branleur toi quand même. Hein. Daniel, hey, quand même, si moi je t'entends, toi tu dois m'entendre, on a le même poste. Daniel, sur le poste, à gauche, il y a un truc qui s'appelle le volume. Monte-le, tu verras, on entend déjà beaucoup mieux. Ok, je vais attendre de me rapprocher un peu plus. Ah, si tu m'entends, ben non, tu m'entends pas. Je te le dis quand même, je suis sur la rocade de Libourne. Ok, bon, j'attends de me rapprocher un peu plus et je te rappelle. Ouais Daniel, est-ce que tu m'entends là ce coup-ci? Voilà, là je suis sur la voie rapide, là dans la ligne droite, pas loin de la station totale. Ouais Daniel.
attention Daniel, 14 ODR 064 pour 14 ODR 002 qui t'appelle. Là, je viens de passer à la hauteur de la station Total. Voilà, sur la voie rapide Libourne-Bordeaux. Putain, mais là où tu es, c'est vraiment pourri, hein, tu reçois que dalle, quoi. Oui, Daniel, je suis là. Putain, mais c'est vraiment pourri, là, le secteur où tu es, hein. Ah, y a des endroits comme ça où, comme qui dirait, des zones d'ombre, où on a beau faire, mais... ça passe pas. On va attendre de se rapprocher un peu plus. Attends, reviens-moi, tu dis quoi? Attention Daniel, ouais, tu me dis que tu es en plein dans les QRM. Ah ben je crois que j'avais remarqué là depuis que je suis parti, j'arrête pas de m'égosiller à chier trois coups. Attention Daniel. En plus de ça, il connaît pas bien son poste encore là, donc j'imagine que le HICUT, le filtre HICUT ne doit pas être enclenché. Qu'est-ce qu'il fait? Sans clignotant, sans rien, on déboîte. Ah, c'est normal, je prenais pas le micro, ah, chie trois coups. Voilà, je suis en train d'arriver là sur Bouillac, là sur les arrières là, de Bouillac, là sur la voie rapide. Ouais, tu es en plein de l'écureuil d'après ce que tu disais. Ok, tu devrais travailler à la boussole. Au moins comme ça, tu saurais vers où il est. Voilà, parce que là, c'est sûr par rapport à toi. Voilà, je suis en train d'arriver là, dans la dernière ligne droite, là, avant la sortie 26. Là, je suis sur Bouillac, là, sur la voie rapide. J'aperçois Lormont, là, les grands immeubles de Lormont, là, droit devant moi. Ok, tu me ressens bien, toi, Rémi, là, est-ce que tu m'entendais, là, depuis tout à l'heure, est-ce que tu m'entendais? Ah ben tu m'étonnes, depuis pratiquement à côté de chez moi, je t'entends. Voilà, c'était très QRP, mais je t'entendais quand même. Voilà, c'est, allez, on va dire à 2-3 km de chez moi, je commençais à t'entendre. Ok, bah, du côté de Bouillac, la sortie 26, là j'ai pas mal de QRM, enfin j'ai quelques QRM aussi, hein. Mais j'arrive à te sortir, hein, y a pas de problème. Ok, putain, mais t'as mis le Roger Beat numéro 5 là du coup là. Putain la vache, celui-là il est long. Ah, on le sait quand tu relâches le micro, hachi. Je suis rendu au niveau de la bretelle qui m'envoie là vers le pont d'Aquitaine. Voilà, là je suis rendu là. Et il y a une portion là du côté des stations Total là sur la rocade rive droite où là c'était pas la peine quoi. Ok, je comprends pas plus. Il y a le bip derrière.
Tu m'étonnes, ça doit être le numéro 5, je pense, si je me trompe pas. Non, je pense que c'est le numéro 2, attends. Le numéro 2, d'accord, ok. Non, pardon, c'est le numéro 1. Le numéro 1, moi, celui que j'ai sélectionné, c'est le numéro 3. Non, ok, d'accord, bah écoute, bon, il y a le bip. Ah, tu m'étonnes, surtout que je suis en train de faire une petite vidéo, t'auras le plaisir d'apprécier ça, quoi. Ah, il est long, hein, celui-là, hein. Oh, bordel. Ah, on sait quand tu relâches le micro, hein. Si on loupe certains bips, il y en a un dans le lot qui passera forcément, quoi. Alors j'arrive à la hauteur de la sortie 3, direction Pont-d'Aquitaine. Voilà, j'arrive, je suis en train de passer à la hauteur du radar. J'arrive dans le dernier virage avant le Pont-d'Aquitaine. Je risquerais peut-être de te casser un peu les oreilles. Oh non, parce que là où je suis, là ça va. Bon, là, déjà le fait de m'être déplacé, là ça va beaucoup mieux. Là. J'ai beaucoup moins de QRM. Par rapport à tout à l'heure, j'étais à 8 points de QRM. Hein. Ok, d'accord. Ouais, là, tu m'as fait du 7 à 8 points, là. Ok, voilà, je suis en même temps avec une petite vidéo, là, depuis tout à l'heure. Alors voilà, là je suis au sommet du pont d'Aquitaine, les bottes sont 1351, toi Daniel, depuis le sommet du pont d'Aquitaine. Alors voyons un petit peu, ok, on va voir un peu ce que ça donne. Ok, donc au dernier passage, là tu vas passer des 8 à 9 points là Rémi, hein. 8 à 9 points là au dernier passage, hein. Donc 100% QSL, hein. Très très QMO, là il n'y a pas de problème. Hein. Voilà Rémi, donc je te fais retourner l'écho et au dernier passage, est-ce que le bip a changé? Pas du tout, tu l'as pas changé, c'est le même. Voilà, ok. Voilà, donc, est-ce que au niveau du réglage, est-ce que les micro-gains, tu l'as poussé au maximum? Oui, affirmatif, je l'ai mis au maximum, pourquoi il faut pas? Si, si, en plus que tu as une voix qui porte pas énormément, donc t'as intérêt, dans le menu, c'est le numéro 1 de mémoire, oui, c'est ça, et voilà. Si, au contraire, hein. Au niveau filtre, tu as le NB d'enclenché et le HIQ, est-ce qu'il est enclenché? Ok, ah bah ça y est, tu le maîtrises bien alors ce poste. Oui, oui, il y a que les coups là que j'ai relevé parce que l'autre jour, je suis allé chez moi et j'ai emmené, tu sais, la GP26 que j'appelle la GP à demi-onde, j'ai été lui emmené et il s'est remonté parce qu'il avait réussi à me réallumer là, le Lincoln. Donc le Lincoln fonctionne et bon, il s'en sert, hein, parce que bon, voilà, parce que moi j'allais avoir celui dans le bus et donc voilà, voilà. Donc on a fait des essais, donc moi je l'ai appelé en partant de la maison. D'accord, ok, d'accord. Putain, tout est bouché ici, hein. Oh la vache. Ah oui, en plus ça me dit, ah oui, ben il y a le marché de Noël. Ah, je sais pas, mais je suis en bas du pont d'Aquitaine et tout est bouché là. Ah ouais, je crois qu'il y a un bordel qui joue ce soir. Ah ben putain. Ah ben on est bien avec ça. Ah, puis en plus de ça, il n'y a pas que ça, c'est qu'il y a Auchan Lac, le centre commercial qui attire énormément de monde. À chaque fois le samedi, c'est bouché et tout. Hein. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses de ce 7009? Ah si, non mais c'est vrai, c'est un bon petit poste. Hein. Ah oui, c'est vrai que je suis pas prêt d'en changer. Hein. Ok. Oui, c'est toujours les micros d'origine que ça soit aussi. Ah oui, affirmatif. Ok. Oui, je vais voir sur la vidéo parce que je sais que ça a grandi le trou là, de la coque devant. J'ai agrandi le trou de la coque devant. De quoi doit mieux parler la France? Parce que moi, il y en a à voir, rien compris. Oui, pardon, sur le micro, si je vais pas au bout de mes prénoms aussi, sur le micro, je pense que tu avais fait une vidéo expliquant que tu avais ouvert un petit peu, que tu avais agrandi un petit peu la fenêtre du micro.
Ah oui, alors l'astuce, oui, ça y est, ok, parce que oui, effectivement, quand on ouvre le micro, on s'aperçoit qu'il y a un petit bout de tube à l'intérieur qui fait quoi, peut-être le trou doit faire le quart de la pastille du micro, et encore. Et ce bout de tube, je l'ai fait sauter. Alors l'astuce, c'est d'arriver à débloquer, à déclipser sans casser les pattes la grille en plastique là qui est devant le micro. Alors attends, je sais pas si on va voir. Alors attends, non, on voit pas, j'ai pas assez d'éclairage dans la voiture. Donc c'est l'astuce, c'est d'arriver à déclipser la grille en plastique qui est devant le micro pour faire sauter avec un fouet comme ça en le faisant tourner à la main, parce que bon, c'est que du plastique, hein, il ne s'agit pas de tout flinguer non plus. Et ce qui te permet d'avoir de mieux attraper que la pastille attrape mieux le son, quoi. Ah bien, je suis entre Auchan-Lac et Décathlon. Ah ok, d'accord. Ok. Oui, bah, si t'es bloqué là, donc oui, c'est des courses. C'est les gens qui sortent de Auchan ou qui vont sur Auchan. Voilà, ok, il n'y a pas de problème. Oui, alors attends, je vais regarder là, au dernier passage ce que tu me fais en signal là. Ok, d'accord. Eh bien, allez, vas-y, toi, vas-y, passe. Ok, vas-y, passe. Voilà, attends, je fais signe à une voiture de passer. Ok, voilà. Ok, voilà, je suis au niveau de la bretelle d'accès là, de Décathlon. Et les gens qui passent sur les zébras, tranquille. Ok, ben, tu vas faire du 4-5, là. Voilà, tu vas faire du 4-5 au niveau signal, là, sur ton article interne. Voilà, donc, la radio, c'est très bonne, c'est percutant, hein. Ok, et les gens ils se font pas chier sans déconner. Hein. C'est un grand coup de moi d'abord hein, quand là pour attraper les boulevards. Hein. Ah oui, affirmatif. Il y a une petite question, c'est sur quelle bande toi là qui est affichée à droite, c'est en haut à droite, c'est. Parce que moi je suis sur la bande D. Attends, voilà. Peu importe, de toute façon, tu peux balayer la fréquence d'un bout à l'autre sans problème. Hein. Je suis sur la bande E, voilà, mais bon, peu importe, hein, à la limite, ça, on s'en fout, quoi. Ok, donc c'est sur la Delta aussi, la bande Delta. Non, E comme Eco. Ah, ok, d'accord. Donc moi, je suis sur la bande Delta, là, et c'est pas très avant. Ouais, non, mais c'est pas un problème, c'est à la limite, tu t'en fous, ça sert à rien. Tu peux balayer de toute la bande de fréquence. Attends, Daniel, je me gare là un peu avant d'arriver au pro. Hein. Ouais, mais bon, ça, à la limite, tu t'en fous. Voilà, là, je me suis arrêté, là, un peu, là, avant de rentrer au pro, là. Là, je suis un peu trop en avance, c'est pour 19h, et je pensais pas rouler aussi bien, quoi. Ok, ouais, ok. Ouais, mais tu vois, ça marche pas pour moi, tu me dis que tu m'attendais depuis chez toi, quasiment. Putain, il fait chaud, là. Alors attends, j'avais pas encore atteint la nationale que je t'entendais, donc j'étais du côté du domaine de la Caresse, rue de la Bourrée. C'est très con, mais c'est pourtant vrai, c'est pas une blague, c'est pas une connerie, ça s'appelle bien comme ça. Et de ce côté-là, j'arrivais à t'entendre déjà là. C'était très QRP, hein, mais bon, je connais ta voix là en fréquence, je commençais déjà à t'entendre. Hein. Et quand tu m'as entendu, c'est hier ou avant-hier là, que tu me disais là, que tu as fait la petite vidéo, j'étais avec la petite antenne, Rémi. J'étais avec la petite antenne, là, j'étais gauché. Voilà, ok, ouais. Eh ben, tac, voilà, comme ça va donner la suite à l'autre vidéo.
Parce que là, je suis encore en train de filmer un peu là, pour, là pendant la... Ah putain, ça y est, je bafouille. Et oui, donc je t'entendais un peu hein, dans le lointain, c'était très QRP. Michel, la tour de contrôle, lui aussi là-bas du côté de Blaye, par là-bas, là, dans les environs, eh bien il t'entendait aussi, hein, puisqu'on a été plusieurs à t'appeler. Quoi. Oui, Eric, 73. Oui Eric, les bottes 73, je suis à côté du pro là Eric, là dans le bout des boulevards, à côté de l'autopont, là à côté des bassins à flot. Les amitiés à toi, comment vas-tu? Oui, ça va, voilà. C'est pas qui tu es, salut tout le monde. Eh bien je suis avec Daniel. Voilà, qui est en train de tester son tout nouveau poste, un CRTSS 7009. Voilà. Et donc ce soir, ben, comme hier soir, je pourrais pas non plus être dans le QSO. Ah, ben écoutez, je vais aller où? Je vais aller gagner la retraite pour les autres. Ah, chi! Il y a eu du monde hier soir ou pas, Eric, sur le QSO? J'ai essayé d'écouter, mais là où je suis au niveau du pro, j'ai beaucoup trop de QRM. Et ce qui fait que j'ai entendu que dalle. Écoute, quand j'ai essayé, il n'y avait personne, alors moi, j'ai pas hésité. Ok, si je me souviens bien, j'ai dû écouter vite fait vers les 10h30. Ouais, effectivement, ça fait un peu tard, quoi. Enfin, ça fait un peu tard quand il n'y a pas grand monde. Ok, bon, on va aller à Bordeaux. Ouais, comme hier soir, bord d'honneur, voilà, sans précision. Oui, merci. J'ai pas eu le temps encore d'appeler Michel. Ben oui, forcément, ce matin on débauchait à 7h. Hier soir, la nuit dernière, je veux dire, le pro et tout ça. Je suis pas sûr qu'il apprécie que je l'appelle, en pleine nuit, à chi. Ok, ok. Écoutez, bon courage, et puis pour la suite. Hein. Et puis voilà, je vais pas plus long. Hein. Allez, à plus tard, au revoir. Ok, merci beaucoup, les 1351 à toi, bon QSO, bon contact, j'ai entendu qu'il y a un petit peu de propag derrière, j'ai vu ça aussi sur Facebook, les 1313 à toi, bonne soirée, bon dimanche, retour des micros sur Daniel. Ok, Eric, bonne soirée à toi, voilà, ok, oui, ben la propag, j'ai fait un peu l'écoute cet après-midi, Rémi, j'ai rien entendu, hein, de particulier, bon, ici, c'est vrai qu'il faut dire que c'est le trou du cul du monde, hein, il faut, voilà, hein. Voilà, ok, ouais. Mais c'est pareil là, il me faisait du 55 là, mobile, en fait, tourné là comme je suis là, j'entendais bien aussi, hein. Voilà, ok, pour ça, bah tu vois, ben moi hier soir, ben je me suis pas mis en fréquence, puisque le poste était démonté, il était au chaud à la maison, et ben là, lundi prochain, dans 15 jours là, pas lundi là, c'est le lundi d'après, le 18 avec Fred, on va remonter les antennes. Hein. Je vais remonter la nouvelle antenne et sur le pylône, hein. Ok Rémi. D'accord, donc c'est la Mantova 8 que tu montes. Oui, affirmatif, je vais monter la Mantova 8, c'est le 18, le lundi 18, non 19, je crois, le lundi 19, qu'on la monte. Je ne sais pas si tu travailles parce que tu m'avais pas envoyé ton planning là, du mois de décembre, donc je ne sais pas. Parce que si tu ne travaillais pas, ça serait bien qu'on puisse faire, si on pouvait faire un essai là depuis la semaine. Ok, putain, ça cracote là, il y a quelqu'un qui doit pas être très loin en fréquence. Ouais, faut jouer à ça. Je te tiens au courant par SMS. Ouais, faut jouer à mon planning. Tu m'as dit le. Ah zut! Oh putain, cette mémoire. Tu m'as dit quand? Alors, pas le 10 là. Enfin, le 10, toute la semaine de travail. C'est le lundi 18 au 19, je crois. C'est le lundi 19. 18 ou 19, autour de ça. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je regarde ça, je te tiens au courant. Voilà, ouais, parce que si tu m'entends en mobile, si tu m'entends en mobile avec la petite antenne depuis l'artilien, si tu m'entends en mobile,
m'attends pas avec la, avec l'autre, l'autre antenne, là j'aurais vraiment des, là j'aurais vraiment les boules et j'aurais dépensé l'argent pour rien. Putain, pour le coup, tu vas me faire un plus 60, hachis. Bon, enfin, encore, ben, si on fera les essais, voilà, je pense que ça devrait être bien. Ça devrait mieux donner. Et puis après, je vais me faire un petit cabanon juste à côté, pour juste, juste à mettre la radio. Je garderai l'offre que j'ai pour bricoler tout ça. Et là, j'aurai que les portes radio dedans. Là. Ok, d'accord. Ah ben ça va, t'as prévu le chauffage dedans? Oui, 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 j'ai un petit chauffage, il n'y a pas de problème, un petit chauffage à poêle. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, ouais, au niveau de ton poste, un de ces quatre fois qu'on arrive à se voir, là, je viendrai avec avec la charge fictive, Wattmètre, tout, les outils, tout. Et puis on verra pour régler l'écho, parce que bon, c'est vrai que des fois ça donne un petit coup de pouce. Parce que moi, ce que j'ai fait au niveau réglage, ben tu, je sais pas si tu l'entends en ce moment, ça doit être à peine derrière. Là, c'est le réglage, les deux réglages à 0 plus 1. En gros, voilà ce que j'ai fait. Là, pour juste donner un petit peu, un petit coup de pouce, un petit peu de relief. Et puis après, bon, au niveau puissance, eh bien, on verra. En BLU, tu peux gagner 3 malheureux watts. Bon, de toute façon, en BLU, hein, tu sais comme moi, c'est forcément un coup de sifflet que tu as le maximum. Donc, à chaque fois, on perd facilement un tiers de la puissance. Et puis après, bon, pour le, en AM, FM, en AM, il sort 15 watts, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui, 15 watts en AM, oui. Ok, son maxi, d'après ce que j'ai vu, c'est 17, donc 15, ouais, c'est très bien, quoi. En FM, il est à 30, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, 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 parce que non, pareil, non, non, c'est 20 watts en AM, c'est 20 watts en AM, il est donné, et 30 watts SFP. Quoi? Non, tu dois te... soit il y a une erreur sur la fiche ou t'as dû zapper un truc, hein, puisque la puissance FM, la puissance BLU est, est identique. Puisque moi sur le mien, en FM, je l'ai descendu de 30 watts à 25, justement pour pour le préserver. Ouais, parce que là, c'est vrai que le pousser, le garder à fond là en FM, c'est un petit peu dommage, car ben forcément, tu le fais chauffer pour le coup. Quoique, hey, là, depuis tout à l'heure que tu modules, touche le radiateur, tu verras, il est juste à peine tiède. Voilà, bon, ça s'est pas vu là, mais bon, je viens de toucher le mien et ouais, il est tout juste tiède, hein, c'est tout, hein, rien de plus. Hein. Et pourtant, là, je suis au coup de sifflet 33 watts. Alors, attends, je vais essayer. Bon, évidemment, le wattmètre de l'affichage, hein, ça, vu que c'est un affichage à cristaux liquides, hein, c'est pas très précis. Mais sur, sur un wattmètre externe à aiguille, là on voit bien, j'arrive à pousser à 33, quoi. Mais bon, sur charge fictive, évidemment. Hein. Donc là, sur antenne, la mesure est forcément un peu faussée, quoi. Ok. Ouais, c'est ça, ouais, 30 watts, à peu près de 30 watts, ouais, en cyclage. Je vois pas les puissances marquées là sur le livre là, qu'ils ont mis. Je vois pas la puissance donnée. Ok, bon, de toute façon, j'ai tout ça de mon côté, là, sur mon forum, la planète Sibi francophone. Voilà, j'ai tout ça de marqué, hein, il n'y a pas de problème. Bon, je suis en train de regarder l'heure, il va falloir que je passe QRT. Eh ben oui, hein, si, ah oui, toi, tu termines à 22h ou 22h30, autour de ça, je crois. Allez, je vais te laisser, les 913-51, toi, Daniel, merci pour ce QSO, là, tout au long de la route, et à très bientôt en fréquence. Ok, si, ça y est, je
mais je l'ai trouvé. Donc, donc c'est bien ce que je disais, Rémi. 22 watts en FM et 22 watts en SSD et 12 watts en AM. Ouais, 30 watts en FM, c'est bien ce que tu viens de dire. Affirmatif, 30 watts en FM, 12 watts en AM et 30 watts en SSD. Ok, et il m'a semblé tout à l'heure que tu avais dit 20 watts en FM. C'est ce que je disais, ouais, c'est 20 watts, 30 watts pour FM et SSD. Ok, bon allez, va falloir que je te laisse, il faut que je reprenne la route. Allez Daniel, les bonnes soirées 1351 à toi, merci pour ces petits contacts, et je te dis à très bientôt en fréquence. Oui, ok, merci Rémi, ben, comme ça au moins ça nous a permis de pouvoir tester nos postes tous les deux. Les postes identiques. Et puis moi, ben, je vais remettre la voiture devant le poste de garde. Hein. Comme ça, moi, je serai tranquille. Voilà. Allez, bonne nuit à toi. Merci encore, Rémi aussi. Ben, écoute, je regarderai ça. Voilà, je regarderai ça et j'espère que ça sera. je vais jubiler. Voilà. Allez, 73 encore, bonne soirée. Et 73, 51, toutes les stations à l'écoute. Vite situé derrière. La bonne soirée à toi aussi. Allez, bonne soirée à toi, Rémi. Ok, bon, ben, le temps de faire le petit montage vidéo, et puis ce sera bon, je vais commencer à m'y attaquer cette nuit. Allez, merci, bye bye.